Bonsoir à vous tous, chers fidèles de ce temps de prière du soir au diocésain. Nous venons ce soir nous rassembler dans la présence de notre Dieu avec gratitude, car il y a tant de choses que nous avons accomplies depuis ce matin sous le guide de notre Père. Nous sommes peut-être fragilisés par les vagues déferlantes de la pandémie COVID-19. Ainsi, nous venons puiser notre force à la source de vive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Psaume 139, versets 11 et 12. Chers amis, en silence, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes, nous regrettons sincèrement ces fautes, humblement nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermit sur tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles et des siècles. Amen. Nous disons l'hymne « Joie et lumière » à la page 50. « Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter les lectures proposées pour ce soir. Le psaume 84. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même les moineaux trouvent un abri et l'hirondelle un nid où mettent ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent chez toi un refuge et qui ont à cœur ce pèlerinage. Quand ils passent par la vallée du baumier, ils la changent en oasis, et même la pluie de tourne la couvre d'étang. Ils gagnent des forces à mesure qu'ils s'avancent pour se présenter devant Dieu à Sion. Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière. Écoute, Dieu de Jacob. Ô Dieu, regarde le roi, notre bouclier. Accueille celui que tu as consacré. Oui, un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que mille hôtes passés ailleurs. Plutôt rester au seuil de ta maison, mon Dieu, que de vivre
avec les gens sans foi ni loi. Voici le titre du Seigneur, soleil et bouclier, qui se distingue Dieu, c'est la bienveillance et la gloire. Le Seigneur donne volontiers le bonheur à qui mène une vie sans reproche. Seigneur de l'univers, heureux ceux qui ont confiance en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Daniel, chapitre 12. L'ange me dit encore, en ce temps-là, paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en a jamais eu depuis qu'une nation existe et ce que ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de la vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'honneur éternel. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme le voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Toi, Daniel, garde secret ce message, ne relève pas le contenu de ce livre avant le temps de la fin. Alors beaucoup de gens le consulteront et leur connaissance en sera augmentée. Le moment de la fin reste un secret. Tandis que moi, Daniel, je contemple cette vision, deux autres personnages apparurent debout de part et de l'autre du fleuve. L'un d'eux s'adressera au personnage vêtu d'habits de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve et lui demanda: quand ces événements extraordinaires prendront-ils fin? Le personnage aux habits de lin leva les yeux, les deux mains vers le ciel et j'entendis déclarer: je le jure au nom de Dieu qui vit pour toujours. Cet événement durera 3 ans et demi. Ils prendront fin quand la puissance du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Moi, Daniel, j'entendis ces paroles, mais sans comprendre. C'est pourquoi je demandais: mon Seigneur, tout cela se terminera-t-il? Va en paix, Daniel, me répondit-il. Ce message doit rester soigneusement caché jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affermis par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes. Mais les gens intelligents comprendront ce qui se passe. Depuis le moment où l'on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour, où l'horreur abominable sera dressée sur l'autel. Il s'écoulera 1290 jours, heureux ceux qui demeureront fermes dans leurs attentes pendant 1335 jours. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'à le bout. Alors tu auras droit au repos, puis tu te releveras pour recevoir ta récompense à la fin du temps. Ici termine la lecture. Apocalypse 13, versets 11 à 18.
Puis je vis une autre bête. Elle sortait de la terre. Elle avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et les habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette deuxième bête réalisait de grands miracles. Elle faisait même descendre le feu du ciel sous la terre, sous les yeux de tous les humains. Elle égarait les habitants de la terre par les miracles qu'elle pouvait réaliser en présence de la première bête. Elle persuadait de faire une statue en honneur de la bête qui, blessée par l'épée, avait repris vie. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne l'adoraient pas. La bête obligeait toutes les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite et sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou les chiffres qui correspondaient à ce nom. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Cet chiffre est 666. Nous allons clôturer notre calendrier liturgique dans quelques jours avec le Christ roi de l'univers. Les lectures depuis dimanche dernier sont difficiles pour nous tous aujourd'hui, tout comme pour les contemporains de Daniel. Des lectures qui nous surprennent et nous font peur. Pourtant, elles sont utilisées pour nous rassurer et nous donner de l'espérance. Ce genre littéraire auquel ces textes sont empruntés, c'est-à-dire le genre apocalyptique, n'est pas toujours compris, ou parfois nous faisons une sourde oreille. Espérer, c'est croire en l'avenir, dit-on. L'espérance chrétienne, c'est plus que l'optimisme. Être optimiste, c'est déjà important. Mais l'espérance chrétienne, elle se base sur tout ce que le Dieu qui s'est révélé à l'humanité a fait et en fera encore, celle de prendre soin de ses enfants. La première chose que Dieu a fait pour nous, c'est d'être proche de nous. Dieu s'est fait proche de nous de bien de façon déjà dans l'Ancien Testament, mais surtout lorsqu'il nous envoie son propre Fils Jésus. Dieu fait homme. Voilà la plus grande révolution spirituelle dans l'histoire de l'humanité. Oui, Dieu est venu parmi les hommes pour nous permettre de nous approcher du divin avec autant de familiarité, d'appeler Dieu Père, Abba. On pourrait dire que nous nageons dans le bonheur, mais au cœur de ce cheminement, il y a des obstacles que nous ne comprenons pas, le pourquoi, ni comment les gérer. Le prophète Daniel nous dit, ce sera un temps d'angoisse, comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Et l'évangéliste Jean, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, nous projette des difficultés impensables, des dires effrayants. Nous qui sommes si habitués à des belles paroles, Dieu est amour, Dieu nous aime. Ce sont des paroles bibliques qui nous parlent d'un temps à venir. Sommes-nous forts? Sommes-nous enracinés dans la foi pour ne pas être vacillés? Rien que de penser que ces choses
accableront nos vies. Quelle serait notre réaction face à ces adversités? Imaginons que nous nous préparons à savourer un bon curry de poisson. Mais nous sommes conscients qu'il y a des arrêts. On peut choisir de passer directement au dessert ou de se donner le plaisir de savourer le curry poisson avec toutes les précautions nécessaires pour éviter d'avoir un arrêt à travers la gorge. Donc, notre vie est une grâce de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 139, nous dit « Les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. » Nous sommes appelés à vivre dans sa plénitude. Donc, nous sommes appelés à vivre notre vie avec notre Dieu, enraciné dans la foi. Le prophète Daniel nous rassure, les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles, tout comme le livre de l'Apocalypse. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête. Cette intelligence, cette sagesse dont nous avons besoin sont déjà présentes dans notre vie. C'est ni la sagesse et ni l'intelligence de ce monde qui, comme nous le constatons dans notre situation de pandémie, est plus que vulnérable. Le monde est anéanti. Nous avons besoin de nous laisser modeler par la sagesse et l'intelligence divine. Cultiver notre foi pour résister aux secousses des catalysmes, pour résister à l'assaut du malin. La peur crée la panique, mais la peur crée aussi la résistance. En savourant la parole de Dieu, nous serons fortifiés et bien armés pour mener le combat, pour rester fermes dans la foi, pour pouvoir vivre pleinement notre vie comme enfants de Dieu, même à travers les secousses de la vie. Que ses paroles nous bénissent. Amen. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart that I may fear. Heart, that I may fear your name.
Ensemble, nous disons le Cantique de Marie à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons encore le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Comme notre Seigneur Jésus nous enseignait, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom sanctifie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Grand Dieu Tout-Puissant, le monde vit un temps difficile, qui pourrait être interprété comme un temps d'angoisse à la manière de Daniel ou du livre de l'Apocalypse. Seigneur notre Dieu, toi ce Dieu de clémence, nous remettons entre tes mains toutes ces choses qui nous dépassent, car tu es notre Père et tu restes au contrôle de toutes choses, où nos cœurs et nos esprits, à ta sagesse et à ton intelligence, pour que nous puissions mener le bon combat. Nous te prions, Seigneur, pour l'humanité en souffrance, avec la pandémie du COVID-19. Nous te confions cette multitude qui sont morts avec la pandémie. Nous plaçons sous ta bonne garde ceux et celles qui vivent dans des situations de santé précaires. Et nous te prions aussi pour leur famille, pour tous ceux qui vivent dans cette angoisse d'avoir un être cher contaminé. Nous te prions pour tous les frontaliers qui sont épuisés
de par leurs engagements professionnels depuis déjà 2 ans. Accorde-leur, Seigneur, la force de persévérer dans leurs tâches quotidiennes. Protège et pourvois aux besoins des membres de la famille. Répands ta main sur le monde entier. Guide les dirigeants de ce monde pour qu'on puisse trouver des solutions et travailler dans l'unité pour mener le bon combat. Père et Saint, nous te confions ces prières dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La collecte du jour. Ô Dieu, source de la lumière éternelle, répands ton jour sans fin chez ceux qui veillent en t'attendant. Que nos lèvres te louent, que nos vies te bénissent, et que demain notre adoration te rend gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous disons la prière de l'action de grâce à la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en nous marchant devant toi. Dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous disons la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Amen. Merci les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci pour votre attention et votre participation. Je vous souhaite à vous tous une bonne et paisible nuit. Merci. Thank you.
clouds and sunshine, oh, abide with me.